Dimanche matin, la semaine passée. Good morning, handsome. C'est-à-dire bonjour, beau gosse. Ça, c'est moi, je me dis ça le matin pour me faire bien sentir. Parce que je suis quelqu'un de très très insécure. Je présente. Il est 6 heures du matin. Là, je suis en train de travailler sur. Je dois envoyer un email pour tout le monde à la liste. Des membres de Gemcore DZ VIP Group pour, comme je vais être en retard pour le programme, parce que le programme Supermass doit faire une validation, j'ai pas encore terminé parce que j'ai rajouté encore plus de contenu. Une chose très très importante, lorsque vous êtes avec quelqu'un, spécialement lorsque vous avez des membres ou des gens avec lesquels vous travaillez directement et ils payent pour le service, il faut garder une super communication avec les gens et leur dire que ça va être en retard et leur parler parce que les gens comprendront. Dans cette situation, je veux pas bâcler le programme et l'envoyer aujourd'hui. Je devrais l'envoyer aujourd'hui, mais ça s'est avéré que on n'a pas encore fini. Donc la chose la plus polie de faire est de leur envoyer un email et de leur dire de vous excuser et de leur dire que ça va prendre du temps. Les gens comprendront, bien sûr. Parce que j'aime pas envoyer quelque chose qui n'est pas vraiment parfaite. Et après, on va avoir des problèmes. Donc, ce que je suis en train de faire, donc, ça c'est le matin et le dimanche. Après ça, dès que j'envoie l'email, je vais faire un cardio. Cardio dimanche matin. Et après le cardio, je vais faire des pancakes pour ma famille. Ma petite fille, ma femme, elle adore les pancakes, crêpes américaines. Donc je vais vous montrer un petit peu. What kind of music do you listen to? Everything. I am a musician. He's a musician. Mm-hmm. Wanna say hello to my friend? Say hello to my friend. What's up, my brother? This is the good thing about America. You meet people all over the place, right? Good people. On rencontre beaucoup de gens ici. Des super personnes. You good? Ça c'est après le cardio. Voilà. Pancake. Ça, c'est des pancakes crêpes américaines qui sont faites à base de flocons d'avoine et farine d'amande, des œufs, un tout petit peu de banane. Parce que maintenant, j'ai besoin de sucre. Oh yeah. Le bonheur. Le meilleur moment du matin, regardez. Bondilla en train de regarder. Elmo, elle adore son Elmo. Oh, this Elmo. Say hello, monkey, baby. Say Elmo, monkey, hey. Regarde, elle est absorbée, complètement absorbée. Maintenant, elle veut dédanser. Regardez. Go, go, go. Et un shot, voilà, elle est en train de sauter. Ah baby, jump, jump, je l'adore. Jump, squat, 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 squat. Let's go, let's go. Allez, Aya est en train de faire du footing avec moi. Come on, let's go baby, come on. Allez, 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 allez. Come on baby, come on. Regardez Aya, ça c'est le meilleur moment de ma vie. Come on. Le meilleur moment de la semaine, c'est passer du temps avec ma fille. Chaque dimanche matin, on va aller marcher ensemble, regardez là. Le petit numéro Bondilla, regardez là, avec son petit Elmo. Donc, pour les gens qui sont en train de me regarder, les papas, sérieusement, Oula, sérieusement, passez du temps avec vos enfants. Oula, la vérité. Moi, je me rappelle, commencez pas à pleurer. La dernière fois que j'ai passé du temps avec mon père, il m'a fait sortir une fois. J'avais 5 ans. Je me rappelle même pas, après ça, khlas, il m'a ignoré. Et tu sais, c'est pas se plaindre ici, mais c'est ça la vie. Les parents, des fois, ils oublient parce qu'ils doivent fournir pour les enfants. Mais il n'y a pas d'excuse. Si vous fournissez pour vos enfants, il faut trouver du temps pour passer du temps avec vos enfants. C'est très très important. Très très important. Bondilla, allez, on y va. Très très important. Trouvez tout le temps un jour où vous passez avec vos enfants. L'autre chose pour les parents, les enfants, comme vous savez, ils ont beaucoup beaucoup d'énergie. Et si on n'est pas en bonne santé pour faire des choses avec eux,
ça c'est un problème. C'est pour ça que c'est votre excuse de vraiment récupérer votre santé, manger bien, alors prendre du bien manger. Et je vais faire ça, c'est un de mes buts, Inch'Allah, dans le futur. C'est vraiment, vraiment vous introduire à ce que je fais avec ma famille. J'ai beaucoup de projets au sujet de entraînement, nutrition, habitude, bonne habitude, bien sûr. Comment s'organiser, structurer avec la famille. Ça, c'est un projet qui est très, très proche à mon cœur, bien sûr. Let's go! Calm down, baby. Come on. Let's do this. Come on. There we go. Good job. Maman. Come on, let's go. Ça s'arrête pas. Ok, maintenant, je vais montrer. Je prépare ma bouffe pour la semaine. On s'excuse de la musique. Aya est en train d'écouter, de voir son show préféré. Rapidement. Donc, ici, j'ai des escalopes de poulet. Ok. Et j'ai mis des épices. Qu'est-ce que j'ai mis? Du paprika, du cumin. Cumin, paprika, il y a des poivrons noirs. Poivrons noirs, est-ce que j'ai oublié les poivrons noirs? Voilà. Un petit peu de sel, pas beaucoup. Et lorsque je veux devenir de plus en plus sec, je garde les épices, ça ne m'affecte pas beaucoup. Peut-être que je diminue un tout petit peu vers la fin, je commence à avoir des trucs plus, encore plus, comment on appelle ça? Des aliments encore plus stricts, plus sains. Mais ça, c'est normal parce que avec la grillade, je vais faire un barbecue, tout va te brûler. Je vais rajouter 3 cuillères à peu près de l'huile de noix de coco. 3 cuillères, 4 cuillères. Et là, c'est de la sauce de soja. Je déteste le soja, mais la sauce, il n'y a pas de sodium. Celle-là, spécialement, il n'y a pas beaucoup de sodium. Je mets un tout petit peu juste pour ajouter un petit peu de goût. Voilà. C'est tout quoi. Khalat. Comment on dit ici en Algérie? Khalat. C'est-à-dire mélange. Khalto ya khawa. Khalatao. Mélanger les mecs. Allez, on mélange les mecs. Vous mélangez, je mélange. Ok, pendant. Je vais laisser ça pendant 2 heures. Et après, je vais faire un petit barbecue. Je vais vous montrer. Je vous ai déjà montré ça. Et après ça, je vais organiser toute ma bouffe pour demain matin. Inch'Allah. Ok. Cool. Dimanche, 2 heures de repos. Qu'est-ce que je fais durant ces 2 heures? Je réponds à vos commentaires, bien sûr. Tous les commentaires qu'on a eu jusqu'à maintenant, super. Bien sûr, on a toujours les trolls qui débarquent et les rageux de temps en temps. Mais la meilleure façon de vraiment réagir aux trolls est de les remercier. Parce que lorsque je fais ça, c'est vraiment bizarre, je me sens bien. Mais lorsque, auparavant, je réagissais d'une manière négative, comme ils étaient, je ne me sentais pas bien après. C'est très, très bizarre. Et ça me faisait de la peine lorsque je leur répondais d'une façon comme ils m'ont traité ou ils ont écrit. Mais maintenant, lorsque je leur réponds avec un ton très, très diplomatique, et je suis gentil, je me sens super bien. Donc, j'ai le remède pour les trolls et les rageux, c'est d'être gentil avec eux. C'est la meilleure façon d'être avec eux. Et ils excitent pour une raison, plus de succès pour nous. Voilà. Donc, je vais passer à peu près 40 minutes. Après, je vais voir un de mes shows favoris, House of Cards, avec Kevin Spacey. C'est la folie, super cool. We'll get it. Voilà le barbecue maintenant, une petite astuce. Vous êtes en train de voir quelqu'un qui a cuit du poulet toute sa vie, pendant 30 ans. Donc, je suis passé partout. Tous les marinades, tous les goûts de poulet, le poulet dégueulasse, le poulet bouilli, le poulet, n'importe quel poulet, je l'ai mangé. N'importe quoi. Donc, la meilleure façon de faire un barbecue, lorsque vous faites un barbecue pour cuire les escalopes, il faut toujours les avoir très très fines, comme ça. Pourquoi? Parce que lorsque elles sont très très fines, elles vont cuire rapidement. Et aussi, la marinade, elle va rentrer dedans plus rapidement. Donc pour les escalopes, je ne suis pas spécialiste de les cuire comme ça. Comment on appelle ça déjà en français?
L'escalope, vous avez l'escalope et les cuisses. Voilà les cuisses. Le français par exemple. Les cuisses, elles ont déjà du goût, il y a un tout petit peu de gras dedans. Et ça ne m'empêche pas de les manger. J'adore le goût des cuisses. Et bon, comme j'ai dit auparavant, je commence à manger plus d'escalope. Le plus je deviens sec. C'est comme ça qu'on fait le poulet. Comment cuire le poulet? Regardez, c'est déjà cuit déjà. Et vous ne pouvez pas les garder trop ici. Qu'elles vont devenir dures. Là, comme ça, ça c'est cuit. Et c'est tendre en plus. C'est prêt. Ok? Voilà, les petits astuces pour vous montrer comment on cuit le poulet proprement. Il y a les globistes.